à la salle. À la salle, on vous montre à quel point c'est tristouné de voir une salle sans adhérents, mais voilà, malheureusement, on n'est pas les seuls dans ce corps de métier. Donc simplement, voilà, pour montrer un petit peu que, comme beaucoup de salles, eh ben, les marquages au sol étaient là. La distanciation sociale était respectée. Le sport permet effectivement d'évacuer la tête, de faire monter l'adrénaline et de combattre bien des choses. Donc voilà, bon, on va pas se plaindre sur notre sort parce que malheureusement tout le monde est logé à la même enseigne. Il y avait tout ce qu'il fallait, comme de partout. Il y avait tous les produits pour désinfecter après chaque cours. Voilà, vos vélos, mon Christophe, c'est juste, mon Christophe. Voilà, donc on va pas dire qu'on s'ambiance avec le Père Rousse, ce serait mentir. Quoi qu'il en soit, voilà, des vélos bien espacés, je pense. Comme beaucoup de salles, hein, de toute façon, la majorité de nos confrères ont fait exactement comme nous, c'est-à-dire respecter toutes les distances. Et même pour les salles qui ont des plateaux, bah, les machines étaient, certaines machines étaient condamnées, avec bien sûr des espaces entre chaque adhérent pour pouvoir pratiquer son sport au mieux. Voilà les loulous. Donc tout ça pour vous dire, bah attends, voilà, coucou. On va vous sourire quand même, hein. Ouais, on est bon. Hier on a vu un peu nos adhérents, certains de nos adhérents, et on n'a pas pu tous vous voir effectivement hier soir, c'est évident. Donc tout ça pour vous dire que de toute façon on va absolument rien lâcher, ça c'est sûr. On va rien lâcher. On vous proposera bien sûr des lives du temps de la fermeture. Donc pour nous, en ce qui concerne l'Ardèche, on est sur un temps de fermeture pour l'instant de 3 semaines. Voilà. Jusqu'au 13 novembre. Jusqu'au 13 novembre, c'est ça. On verra ce qu'ils nous disent. Voilà, donc jusqu'au 13 novembre pour ce qui nous concerne, nous personnellement. Et après, donc de toute façon, effectivement, on va vous faire des lives. Et puis, c'est évident qu'on fera une compensation. On va bien sûr se pencher dessus tranquillement. On est en sécurité. Oui, ma Chloé, c'est juste. Et on vous fera bien sûr une compensation par rapport aux adhésions, parce que on vous cache pas que ça nous a été, dur. Les gens nous ont posé la question en nous disant, mais est-ce qu'on risque d'être confiné? Merci ma Chloé, j'ai voulu m'apprêter parce que je trouvais important pour une fois de dire que c'est pas parce que tout est triste que voilà, qu'il faut pas sourire non plus. Ah, le père où il installe. Excusez-nous. Comme ça on pourra être tous les deux à côté. Yes. Super. Et voilà les loulous, donc tout ça pour dire que ce qui nous a ennuyé, c'est que beaucoup de nos adhérents qui nous sont très fidèles, et on a la chance d'avoir un public merveilleux, on le sait. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un privilège et une richesse que l'on a. Quoi qu'il en soit, on a l'impression d'avoir menti, dans le sens où beaucoup nous ont dit, mais Fab, Anne, est-ce que vous risquez à nouveau d'avoir un temps de fermeture? Et nous, persuadés que ben non, du moment où tu respectes toutes les normes sanitaires. C'est ça. Voilà. Donc malgré tout, c'est vrai que hier j'avais fait une publication que j'ai effacée, parce que c'est vrai que j'étais en colère, pas seulement pour moi-même, je vous le dis honnêtement, parce que si ça concernait entre guillemets que nous deux, ce serait un moindre mal par rapport à tout ce qu'il en est au niveau national. Si ça concernait que la Air Family, je dirais que c'est un moins de mal, voilà, par rapport à toutes les autres salles. Mais c'est vrai malgré tout, et ça c'est vrai, on était les premiers parce qu'on n'était pas touchés de près du tout par le Covid, et ça c'est vrai. Coucou ma Lucie, coucou Karine. On était plein de mimi à vous tous. On était en fait, nous aussi, un petit peu à porter des masques, mais à se dire, voilà, rien va nous arriver parce qu'il n'y a pas de cas de Covid autour de nous, ou quelque chose d'infime par rapport à ce qui peut se présenter ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, même dans nos petits secteurs ruraux, il a fallu de pas grand-chose pour que ça explose. Salut mon Chadi, t'as la maison toi Lolo. Il a fallu de pas grand-chose pour que ça explose, et ça c'est vrai. Et du coup, on nous a fait part, malgré tout, le corps médical nous a bien dit que ça se propage très très vite, et c'est pour ça que hier je me suis permise de faire un texte que j'ai effacé,
Et je m'en excuse parce que je suis pas quelqu'un qui en principe montre une colère aux yeux au-dessus de tout le monde, mais j'étais malgré tout aussi un petit peu, j'avais un peu la rage parce que par respect de tous ceux qui ont investi vraiment beaucoup pour pouvoir respecter toutes ces consignes de sécurité et quand malheureusement effectivement il y a encore des endroits où les gens pensent qu'ils ne seront pas du tout touchés par ça, non, ne pensez pas qu'effectivement vous ne pouvez pas être aussi atteint d'un Covid. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup effectivement des personnes à risque, mais quelque part on peut être tous à risque sans le savoir. Donc c'est vraiment important. Salut Matina, merci beaucoup, c'est adorable. Voilà, mais donc il faut vraiment que vous preniez soin de vous et prenez soin des autres. On n'est pas là pour vous faire des leçons de vie, on n'est pas des exemples de vie non plus. On est loin d'être parfait. Mais soyez quand même vigilants, soyez vraiment vigilants. Et c'est vrai qu'il y a des endroits publics, effectivement, où le port de masque n'a pas été respecté. Alors après, il peut y avoir des grands débats dessus. Mais quoi qu'il en soit, dans le doute, il faut qu'on soit vigilants les uns par rapport aux autres. Ça, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, pour revenir au début de la vidéo, concernant vos adhésions, nos adhérents, Anne parlait de compensation, forcément elle ne pourra pas être financière. Merci, parce que pour nous mère. C'est très très compliqué. Par contre, vous ne perdrez rien sur les durées d'abonnement. Non. C'est-à-dire que on y réfléchit encore comment on va fonctionner, mais il y aura des semaines prévues normalement de fermeture où on ne fermera pas. D'accord, où on prolongera et il y aura des cours qui seront donnés, que ce soit à Noël, peut-être une semaine sur les deux. Salut ma Virginie. Cet été, garder l'ouverture un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Et puis peut-être aussi suivant le nombre de semaines, parce que là on est parti pour 3 semaines, mais on n'en sait rien comme tout le monde. De toute façon, au point où on va aujourd'hui. On se retrouve en 2030 en fait. C'est ça qu'on voulait vous dire. En 2030, c'est fiesta. Personne ne sait rien, ouais. Donc il y aura du report de validité de vos adhésions. S'il faut prolonger 15 jours, s'il faut prolonger un mois, et ben vos adhésions seront prolongées. C'est ça. Pas question cette fois que qui que ce soit perde quoi que ce soit sur son abonnement. C'est ça. On prendra sur nous, on serrera les fesses hein, comme bon nombre. Mais on vous lâchera pas, comme on vous a pas lâché au début. On continuera avec les lives, alors peut-être pas autant que ce qu'on a pu faire merci, pendant le confinement. Stéphanie. Mais vous en aurez, vous serez avertis. Et on vous lâche pas, quoi. Et parce qu'on sait pertinemment que vous, de votre côté, vous ne nous lâchez pas non plus. Et c'est juste un bonheur de vous avoir, quoi. Moi, je sais qu'hier soir, à la fin du bac, une ambiance de fou pendant le cours. Et à la fin, je suis resté bouche bée, je savais plus quoi dire, quoi. Ouais. Je savais plus quoi dire et les larmes, les larmes sont on coulait quoi. Il y a Léa qui nous appelle en même temps, excusez-nous, les larmes ont coulé, voilà, c'est pas simple, mais on avance. C'est ça, enfin voilà, quoi qu'il en soit, pour nous à titre personnel, et on se doute bien que peut-être pour d'autres secteurs économiques ça va être plus difficile, on peut être encore debout et tant mieux, et ça c'est grâce à nos adhérents qui nous sont fidèles. Malgré tout, on ne fait pas partie des gens qui ont le plus trinqué économiquement au niveau de notre salle, ce qui veut dire qu'on peut encore rester debout, on a encore les reins assez solides pour pouvoir réouvrir notre salle même au bout de 6 semaines, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très positif pour nous et tant mieux. Maintenant, on est toujours au regret de savoir que certainement pas tout le monde pourra tenir ce discours-là. Mais en tout cas, si vous avez des questions en ce qui concerne nos adhérents, on est complètement joignable, c'est évident. S'il faut se voir à la salle, bien sûr, avec un masque, on se verra à la salle pour répondre à vos questions. Donc vous nous appelez, vous nous envoyez un petit message en MP, vous nous envoyez un mail, on sera pleinement disponible. Il y a la grande qui essaye d'appeler. Donc on est pleinement disponible pour répondre à toutes vos questions. On vous donnera le petit programme au niveau des lives, on vous donnera tout ça. Coucou ma Virginie, allez courage, on vous lâchera pas, mais je sais. Merci ma Jess. Merci mon Enzo, vous êtes des amours. Alors il y a la grande qui essaye d'appeler, qui est à la maison. Et voilà, Jean-Luc, ouais, Jean-Luc. Ouais, courage à vous aussi, tous les gérants de salle. Hein. Mon Dieu, courage à vous. Je sais que plein de bisous chez nous, juste, ouais. Je sais. Donc,
voilà, bah, de toute façon, je pense que pour tout le monde, c'est une année très particulière, très atypique, voilà. Donc, c'est pas la peine de casser le moral de tout le monde, parce que je pense que de toute façon, chacun à son niveau, le moral est en baisse. Donc, on va continuer à vous donner de toute façon plein de choses positives. Le sport reste malgré tout quelque chose qui peut permettre d'évacuer. Comme on dit, ça résout pas les problèmes, ça les met juste entre parenthèses. Ça permet de faire monter l'adrénaline et puis effectivement de pouvoir avoir un lâcher prise dont on aura certainement encore plus besoin maintenant et après. Donc, ce lâcher prise, on va vous le donner. Il est hors de question que de toute façon, la salle, voilà, c'est notre bébé, hein. C'est notre bébé, on en a déjà trois, mais la salle, c'est notre bébé. Donc on va pas lâcher notre salle, et ça, c'est évident. Bon. Voilà. Enfin, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Voilà, on vous a montré une salle vide, oui, c'est vrai. On a, malgré tout, le bide qui est serré. On a une forme de tristesse d'arriver. On était censé avoir nos courses. Normalement, ce matin, à ce tir-là, il y a le vélo qui pédale, voilà, qui pédale. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Effectivement, et soyez on vous lâche vigilants. Pas. On vous donne plein d'infos. On vous, ouais. Vous serez au courant. On va toujours jouer à la transparence. Merci, ma Karine. Bah oui, mais j'ai voulu volontairement. J'ai dit là, ce matin, je viens à ma salle. Et tu vois, pour une fois, je sais m'habiller en femme. On a, voilà, je disais, on a toujours joué la transparence et la vérité, et on vous dira tout ce qu'il en est, et toute l'évolution, etc. C'est ça, ma Fabienne, le sport reste un exutoire, on est complètement d'accord. C'est pour ça qu'on va pas vous lâcher, on sait pertinemment que derrière un écran, c'est pas non plus la solution idéale. Mais quoi qu'il en soit, on vous lâche pas, parce qu'il faut aussi que de toute façon on reste présent. Et puis pour nous, à titre personnel, de façon très égoïste, on a besoin de vous voir même derrière un écran. On a vraiment besoin de vous sentir. Voilà, ça c'est super important. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Merci Nassef, bisous Thomas, on vous dit à très 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 vite. Ouais, plein de bonnes choses à vous, et prenez soin de vous.